Bonjour Bonsoir Bonsoir à tout le monde J'espère que vous allez bien Hello hello Je bouge un petit câble On est bien, on est installé, Hop. tout va bien Est-ce qu'on est bon Le son est bon, tout se passe bien Il y en a un qui m'a entendu quand j'ai dit pistache Eh oui <laughs> Juste un Malheureusement <laughs> Bonjour bonsoir et bienvenue dans ce, dans ce Shadow News Ça faisait longtemps après tout hein Et ouais, bah, ça faisait quoi Ça faisait le premier euh... Shadow News de l'année Tout à fait, c'est ça incroyable. Bonne année à vous déjà hein Bonne euh, année J'espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes ah, J'ai un message de six. Bougez pas. Qu'est-ce qu'il raconte encore euh... oh, c'est formidable. Ouais, c'est bon. ça. Euh, donc voilà. Donc très heureux de vous revoir. Euh... Donc bon pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor, je suis le, père, le mec rigolo qui fait des vidéos et je suis avec Yanis qui est là pour que euh, euh, les choses avancent. Je sais pas comment pour que trop ça des... marche bien. pour que ça marche bien, voilà. voilà euh, Fixer manager comme pour l'appeler. <laughs> Euh, voilà on va rentrer tout de suite bah, dans le vif du sujet finalement un petit peu exactement euh, ouais mais, euh, déjà donc euh, on va parler un petit peu de la mise à jour qui a eu lieu euh, hier, donc voilà. on a, on on a va, lancé, va, même va, la mise à jour qu'on a lancée lundi. On va parler de la prod finalement. Il s'est passé plein de choses. Voilà. Euh... Parce que, vous le savez en fait, on a rien poussé pendant les fêtes ouais. euh, on pas que... bah, on, voilà, on a été très sage pour que ça fonctionne. Euh, pour éviter euh... que vous ayez trop de bugs sous le sapin. Exactement. <laughs> voilà, C'est clairement ça. Parce que peut-être, peut-être que euh, durant les vacances, les, les développeurs aussi étaient en vacances. Du coup, on voulait rien trop pousser, sans trop... enfin, on voulait pas trop tout casser avant de, avant de partir. Voilà. Et donc, on a mis plusieurs choses là euh, cette semaine euh, en prod. Oui, tout à fait, en prononciation officielle. Ouais, Par quoi tu veux commencer On a un peu le choix. Donc, euh, euh, la première preuve. chose qui est sortie euh, est sorti lundi, c'est tout le, tout le nouveau système de mise à jour de Shadow. Donc, ça, c'est hyper important pour nous, parce qu'on avait, euh, depuis quasiment le début, le même système de mise à jour. Et quand je parle de mise à jour, je parle de mise à jour de ce qui est installé dans Windows. Donc, tous les services euh, qui nous permettent de, bah, de gérer le streaming, de gérer euh, la gestion des périphériques USB, de gérer... Euh, tout ce qui est manette, tout ce qui est euh, micro, etc. Et on avait besoin de mettre à jour le système de mise à jour pour avoir quelque chose de plus solide, de plus robuste, et d'éviter d'avoir des, des, euh, des shadows qui tombent dans un état euh, inutilisable qu'on peut plus récupérer, etc. Euh, donc ça, c'est un truc que vous, vous ne vous rendez pas compte forcément euh, directement. Mais avec ce système de mise à jour, même si en le lançant, il bah, y a forcément encore des, euh, des, des shadows qui se mettent pas bien à jour, etc., pour, le, pour les premières fois. Euh, on sait qu'avec ce système de mise à jour qu'on a éprouvé depuis plusieurs mois déjà euh, sur la bêta et l'alpha, on sait que euh, les, les boots sont réussis dans un, une très 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 large majorité des cas et on est passé d'un taux de réussite des, des boots euh, qui était à je sais pas, 92 ou 93%, on est quasiment à 99%. Donc on sait maintenant quand on appuie sur démarrer Shadow, ça marche en fait. Ouais. Et ça a l'air de rien, euh, mais c'est extrêmement important. Et, euh, et on avait besoin de, on avait besoin de faire ça pour ça, pour assurer une expérience la meilleure possible. Oui, et alors un peu, enfin c'était, c'était, c'est une grosse mise à jour mais de rien. Il ouais. y, y avait une chance que ça casse tout. Bah ouais, ça n'a rien a, cassé. Comme tout. Comme, comme tout finalement. Et donc euh, voilà, la, le système de mise à jour euh, sur Shadow. Voilà. On en est content, j'espère que vous êtes content. Et on récupère évidemment les quelques petits bugs Exactement, à droite à gauche. Vrai. Mais globalement, ça se passe très bien. Vraiment, il y a très, très, très peu de gens qui sont impactés. Euh, et les gens qui sont impactés, c'est assez simple comme résolution. Euh, et on va parler un petit peu après des, des, des différents problèmes et des résolutions qu'il y a. Euh, L'autre mise à jour donc qu'on a sortie hier, donc c'est une mise à jour côté euh, client. C'est-à-dire ouais. ce que ce, qu ce, qu ce que vous téléchargez, vous savez, à chaque fois, il y a le launcher et il y a la partie euh, vidéo qui permet de, de récupérer le, le flux vidéo. Qu'on appelle le, le client chez nous. Euh, et euh, donc là-dedans, on a lancé une mise à jour avec la partie du support avancé des écrans, aussi appelé Display Management en anglais. Ah, et c'est la partie qui vous intéresse hein, voilà. euh, en ce moment pour plusieurs raisons. Alors, déjà, voilà. qu'est-ce que c'est finalement cette, euh, ce Exactement. Display Management, le support avancé des écrans, comme on dit dans la langue de Molière Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, sur Shadow, on pourrait se contenter euh, de vous fournir un stream, euh, comme le font 100% des, euh, des solutions de Cloud Gaming, en euh, Full HD. Euh, à 60 Hz. Euh, nous, on a pris le parti, dès le premier jour, de dire non, on ne fera pas du Full HD à 60 Hz uniquement, on fournira un stream qui est adapté à l'écran de l'utilisateur. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est adapté si vous avez une résolution, euh, je sais pas, Mac qui est différente. Euh, ah, du du smartphone est... jusqu'au grand écran, finalement. Petit Exactement. Peu. Et, euh, et d'avoir euh, aussi la fréquence qui s'adapte en fonction, du, euh, en fonction du, du device sur lequel vous êtes connecté. Donc, euh, on a fait toute une mise à jour là-dessus. Et tout plein de développement sur les derniers mois pour en gros gérer complètement la chaîne et avoir euh, la capacité de vous adapter exactement à la bonne résolution, à la bonne fréquence par rapport à votre écran. Il euh, y a eu euh, deux problèmes euh, assez importants sur la mise à jour qu'on a sortie hier, mais qui touchent très très peu de gens. Donc je vois euh, beaucoup déjà. de gens dire que ça ne fonctionne pas bien, etc. <laughs> ouais, ça, ça ne fonctionne pas pas bien, ça ne fonctionne pas du tout euh, sur des anciennes cartes AMD. Euh, le bug est déjà poussé, enfin, le, est déjà corrigé euh, sur la bêta, on l'a corrigé là, il y a. Une vingtaine de minutes, c'est sorti en bêta. Oui, alors, il y avait les deux problèmes dont tu parles. Là, donc, il y avait euh, ce qui a été corrigé. Là, il y a, euh, je viens de recevoir le message à l'instant. Hein. Oui. Donc, il y avait oui. euh, black screen et une partie des soucis du Donc, voilà, ouais. ça arrivait que votre shadow, bah, vous aviez un écran noir Exactement. et qu'il y avait quelques problèmes de son. Et eh bien, sachez que le correctif est en cours de développement sur les box en bêta. Donc, on le met en bêta pour le tester, pour être sûr que ça marche bien, ce correctif. On est assez confiant, mais encore une fois, euh, on vous tiendra au courant. Mais là, voilà, on sait d'où ça vient. Hein. On a trouvé le problème. Et ça sort, euh... et ça sort demain, en fait, en prod. C'est voilà. déjà la formation. Voilà. Ah, donc là, ouais, si donc avez, le... problème de son, problème de black screen, donc d'écran noir. Euh, on a trouvé d'où ça vient, on l'a corrigé, c'est en bêta. Normalement, demain, c'est ouais. en prod. Et la ghost, c'est euh, plus lourd que ça pour nous, euh, parce qu'en fait, c'est même pas un bug. C'est simplement qu'on a des soucis de... Euh, pour déployer les versions et en fait on a réussi à déployer la version là tout à l'heure. Elle est en bêta euh, et elle va être poussée demain matin et pareil en, en production. Ça marchait déjà très bien en fait euh, sur les alphas, les bêtas etc. C'est juste qu'on n'a pas pu déployer la version euh, euh, hier euh, pour des problèmes de déploiement. Je vais pas vous expliquer tous les détails du développement, mais euh, ça va sortir demain matin et c'est pour ça que ça fonctionne pas bien. Euh, c'est juste que la version n'est pas sortie vraiment sur et Ghost alors qu'elle aurait dû sortir tout à fait euh, et donc c'est très encourageant et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que bah, le, le, la sortie est plutôt très réussie euh, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont remarqué mais en fait simplement si vous vous connectez chez vous sur une, sur une Ghost avec un écran je ne sais pas full HD euh, et que vous vous connectez par exemple au travail avec un Mac, bah, le stream s'adapte automatiquement euh, vous n'avez pas de pas De besoin de rechanger la résolution à chaque fois, ce qui est extrêmement lourd, ce qui était très désagréable pour les utilisateurs. Et donc, ça fait partie des choses qu'on voulait vraiment améliorer pour vous. Voilà. voilà. Et, enfin, finalement, la provision, les, les bugs que vous rencontrez là aujourd'hui, donc il y a une partie qui va être corrigée très rapidement. Mais tout sera fixé demain. Et, et voilà, c'est ça. On est désolé pour le désagrément, mais voilà, sachez que euh, voilà, euh, le gros avantage qu'on a chez Shadow, c'est qu'on a des développeurs extrêmement compétents et euh, en termes de fixe, mm. ils sont. Euh, encore plus que compétents, Ils ont travaillé toute la nuit, il me semble. Euh... Oui, il y en une partie n'a pas dormi du tout. a une partie qui n'a pas, qu pas, ouais. pas dormi <laughs> du tout euh, la nuit dernière pour que euh, les problèmes que vous rencontrez soient résolus le plus rapidement possible. Ouais. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va être ça va être rapide en vrai, quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment l'affaire la, voilà. de... Si ce n'est pas demain, la, 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 la très large majorité. Mais, on, com sera, mais, sera mais sera on comprend que ça vous embête. Et on on est désolé, évidemment. Ouais. Mais, euh, mais vous savez ce que c'est de temps en temps. Voilà, on lance quelque chose et puis, euh, et puis ça casse un peu. Mais heureusement, ouais. ça touchait quand même une petite partie. Des gens. Alors, parce que forcément, on va sur Discord, on voit là, il y a beaucoup de gens. Du coup, forcément, mmh. on a des problèmes qui viennent. Qui viennent ouais. et, et, et on le sait, mais on sait, que ça touche, euh, on sait que ça touche peu de personnes. Tout à fait. Donc, euh, euh, alors, du coup, pour parler un petit peu des, euh, de ces problèmes connus, on a, on a mis en place oh, une non, page... Sur le, sur le support, donc sur le, la partie centre d'aide du support, qui est disponible directement sur le site Shadow, où vous pouvez voir les problèmes connus. Euh, voilà, donc c'est le deuxième lien. Ouais, ouais, On, donc Victor va vous le partager dans le... Oh, je crois qu'il y a Alpha qui l'a déjà fait. Oh, il est trop rapide. Et eh ben je mets aussi Alpha, voilà. <laughs> Donc vous pouvez aller voir directement les problèmes connus, comprendre exactement où est-ce qu'on en est. On va mettre à jour le plus régulièrement possible et le plus rapidement le, le statut de chaque bug. C'est pour ça que là, moi, j'avais des nouvelles encore plus fraîches que ce qui est écrit sur le site. Euh, <laughs> quand on vous disait que ça va sortir demain, c'est que voilà, c'est déjà corrigé. Euh, comme d'habitude, malheureusement, quand on sort une, une mise à jour, on n'a toujours pas un milliard et demi de de périphériques différents à tester au bureau, donc on a besoin de vous à chaque fois. Si vous trouvez encore des problèmes, n'hésitez pas à nous les remonter, c'est vraiment très 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 important. Le Discord, ils euh, font un travail de dingue, donc on remercie on, on tous les modérateurs, les Famoso, etc. pour leur, pour leur boulot, pour nous, pour nous faire des remontées de qualité. Ils le font très bien d'ailleurs. Et, euh, et c'est grâce à ça, c'est grâce à vous qu'on arrive à, à, à corriger les bugs aussi vite, et avoir un truc qui est, qui est, qui est plus stable. Euh, on, on avance encore un petit peu, il y a aussi pas mal d'améliorations de, de, et, de, et de corrections de bugs sur cette version euh, je pense notamment à des, à des problèmes qu'il y avait sur Mac où il y avait le, le menu qui plantait, il y a le, le menu il se comporte mieux maintenant, c'est plus facile de, de trouver le bouton pour cacher l'icône etc, en fait on a beaucoup beaucoup écouté ce que vous, ce que vous nous demandez euh, de tous les retours que vous faites pour améliorer le produit et, euh, et je pense que c'est une, une belle mise à jour qui devrait vous plaire euh, donc ça c'est voilà, pour, pour la mise à jour actuelle voilà ce on ce qu'on peut dire mais d'ailleurs en parlant des mises à jour et c'est la magie de la transition et bien oui Jamy voilà on a parlé de la prod euh, maintenant on va parler donc des euh, ce qui va arriver en bêta et donc voilà, ouais. les, les futurs un peu les futurs sorties de Shadow et alors on va vous parler déjà d'une chose qui va, qui va bientôt être en bêta normalement voilà. euh, qui est euh, alors, comment tu l'appelles cette, cette petite feature en le, le, le nom officiel, euh, c'est le, un nom Les Controllers Ouais, les Controllers Les Controllers, les controllers. Non, on a fait un énorme boulot sur la partie manette, gestion des manettes, parce qu'en plus, c'est très bien, t'as vu la transition, regarde. Yo, ah ouais. mais dommage, depuis la nouvelle mage, il y a trop de bugs comme la manette qui n'est plus compatible. Mais justement, Jamy hein. <laughs> Eh bien, oui, euh... Jamy euh, Excellente transition, on avait des problèmes avec toutes les manettes, on le savait. Ça, et ça les... sent qu'on est fatigué. Et les manettes, c'était. Euh, surtout le principal problème, c'était que c'était pas régulier. C'est-à-dire qu'on branche une manette, on s'attend à ce que ça fonctionne, et puis on voit. « Non, ce coup-là, ça n'a pas marché. » Et ça, c'est extrêmement énervant. Ça, c'est un peu le jeu de rôle. Tu arrives devant une manette. Est-ce que tu arrives à la faire fonctionner Jette D. Bam. Oui, tant pis. Tu 3. C'est perdu. C'est ça. Désolé, Victor. Alors du coup, qu'est-ce qui changer là Alors, concrètement, on a récupéré au bureau, je ne vais pas dire de bêtises, mais à peu près une trentaine de manettes différentes. On a fait un énorme travail de test pour savoir exactement quelle manette fonctionnait, quelle manette ne fonctionnait pas. On a... En gros, retravailler toute la façon dont fonctionne le, la chaîne sur Shadow, sur, entre la machine à distance, entre euh, donc le, le serveur, votre machine chez vous, et comment on, on gère la compatibilité des manettes d'un bout à l'autre. Et euh, donc, sur la, ce qu'on qu va pousser du coup sur la, sur la bêta, c'est la nouvelle bêta qui va arriver, vous aurez la gestion euh, complète des manettes on verra directement quand on connecte une manette il y a une petite notification qui va indiquer qu'il y a une manette qui a reconnu quelle manette est reconnue ah ouais, donc, va euh, donc, ça marque ça va, parce que qu aujourd'hui enfin vous le savez vous, vous mettez votre euh, manette Xbox sur... il y a marqué manette en général c'est manette il voilà. y a marqué manette tout court voilà ouais. et euh, les icônes dans le, en jeu c'est les icônes de la manette Xbox voilà, voilà. C est, c est donc compliqué. là voilà qu'est-ce qui va se passer il y a le petit menu il y les périphériques c'est ça exactement hein, ce petit menu très pratique voilà ce que je vois quelqu'un qui disait pour le, le micro c'est euh, pour moi les micros avec un PC je trouve que c'est compliqué quand même maintenant tu branches ton micro tu y a le télécom appuies dessus bam bam exactement et ça fonctionne bien et là le micro maintenant ça marche sur ce modèle-là on fait, fait pareil avec les manettes c'est un quoi prendre ça je suis d'accord avec vous c'est un quoi prendre mais une fois qu'on le sait que c'est où c'est 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 fois, 50 fois plus simple qu'avant. Sur la manette, il n'y aura même rien à dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous branchez la manette, elle sera disponible directement dans Shadow. Si c'est une manette PS4, elle sera reconnue comme une manette PS4. Si c'est une manette 360, elle sera reconnue comme une manette 360, etc. Et donc, donc dans l'overlay, enfin euh, dans le menu, on verra quelle manette c'est. On verra quelle manette c'est. Et on verra in -game. Son numéro. Ah, et in game Alors bon, il me semble qu'il n'y a pas non plus 50 boutons qui s'affichent différents. Mais si c'est une manette d'Xbox, il y aura les boutons d'Xbox. Exactement. Et si c'est une manette de PlayStation 4... Euh, bon, bon, ce, coup les boutons ce qui peut être confusant quand on jouait avant et qu'on voyait qu'il est marqué A alors qu'il fallait appuyer sur X. Voilà, par exemple. Donc c'est supporté de bout en bout et ça permet de, bah, de supporter la plupart des manettes du marché. On a fait le travail. Euh, comme vous le vouliez, c'est-à-dire qu'on a beaucoup bossé pour que bah, ça supporte euh, même les trucs un peu exotiques, les Steam Controllers, euh, le... la manette free, ça marche. La on manette demande à gauche. Ouais. La manette free. Alors, ça c'est une bonne question. Oui, Je... Normalement ça devrait fonctionner sans aucun souci. Euh, ça va fonctionner aussi avec les manettes euh, de, Wii, de... Pas de, Wii, de Switch, la Switch Pro Controller. Ah, enfin euh, toutes les toutes les manettes modernes, même les anciennes un peu, on y arrive. Les Necon, les Astro, etc. Toutes les manettes euh, un peu exotiques, comme je disais. Un peu rares. Les, peu les Wildcats, c'était la marque qui n'existe plus là. Non, Madcats. Mad cats Mais ça existe encore, je crois. Ils se sont relancés. Ah cool! Tant ouais. mieux pour moi. C'était sympa en plus. Ouais. Bah, je suis content. Et Mad Cat, si vous regardez, je suis très content que vous existiez toujours. <laughs> Je crois que c'est plus les mêmes personnes. Ah ouais mmh. bah, on vous aime quand même. On a, on a toujours votre manette au bureau avec les trois griffes sur le côté là. Bref. <laughs> euh... Alors petite précision. Pas de DS4 Windows avancé, ouais, Ça j'adore. Très bonne question. Non, effectivement, il y aura plus besoin de gérer quoi que ce soit. Tout sera automatique. Il n'y a plus besoin d'installer driver Il n'y a rien à faire. Si la manette elle est reconnue sur votre ordinateur local, juste reconnue, elle fonctionnera de bout en bout. Ouais. Euh, donc ouais. on va aussi euh, diffuser directement sur le centre d'aide une liste complète de compatibilité des manettes qui vous dira directement si votre manette elle est supportée par l'appareil que vous utilisez parce qu'il y a des manettes qui ne sont pas supportées sur Mac. Mmh. Euh, je vais donner un exemple assez simple. Si euh, je branche une manette de Xbox sur Mac en USB euh, sur les, les derniers modèles, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si je la mets en Bluetooth, ça fonctionne nativement. Et ça, faut le savoir. Vous pouvez pas le savoir si personne vous l'a dit. Nous, dans le tableau, on a tout référencé, on a fait tout le travail pour vous, pour vous dire voilà, cette manette là, elle marchera pas comme ça. Par contre, si vous la mettez comme ça, ça va fonctionner. Et, euh, et du coup, ça va être super simple à utiliser. Alors, petite précision, on préfère vous le dire, euh, pour l'instant, sur le bêta qui, qui va être mis, pour les manettes de PS4, euh, les vibrations ne sont pas prises en compte pour le moment. Oui, tout ça. Alors, c'est vraiment le, le, gros, le gros bug qu'on a encore aujourd'hui sur cette version, c'est pour ça qu'on n'est pas directement... Mais c'est bien de le dire. Un voilà. peu, voilà. euh, les joysticks de simulation, euh, ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. Alors, tout, tout ce qui est de joystick de simulation, Trustmaster... Où hog' Oui, c'est pas est euh, totalement comme. Euh, la plupart des volants, etc. Ce qu'on conseille, c'est de l'utiliser en USB over IP, euh, donc le, la gestion de l'USB à distance. Donc dans le dans le menu rapide Shadow que vous pouvez appeler avec, soit avec la petite icône, soit en faisant euh, Windows Alt O ou euh, Commande Alt O, euh, vous choisissez le périphérique que vous voulez envoyer vers Shadow et vous l'envoyez vers Shadow. Et du coup, il arrivera de l'autre côté. Euh, il y aura évidemment le retour des vibrations sur les manettes Xbox One en Bluetooth sur Mac. Et euh, sur toutes les plateformes, il y aura des vibrations partout. Euh, évidemment, évidemment est-ce qu'on fera une liste de tous les trucs qu'on a testés ou pas tout, Il y aura tout écrit. Très tout, bien. Il, y aura une, il y a une liste avec. Euh, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a au moins une trentaine de manettes euh, avec euh, le, si elle fonctionne en USB, si elle fonctionne en USB avec un dongle, si elle fonctionne en Bluetooth, etc. C'est très précis et ça vous permettra d'avoir. Euh, et euh, si, donc, une, si, les euh, gens, euh, si, les gens, si les gens ont des manettes qui ne sont pas dans cette liste. Euh, Qu'ils nous contactent sur Discord pour euh, voilà. on soit on puisse t'aider, soit qu'on puisse discuter avec eux. Voilà. Ouais. Ne passez pas par le support, s'il vous plaît. Non, surtout pas. Voilà. Surtout sur la bêta. Euh, voilà, surtout, pour, surtout pour des choses comme ça. Venez nous voir directement sur Discord pour en discuter. Voilà. Euh, dans les autres nouveautés, peut-être on peut aussi parler euh, de, des apps mobiles. Tout à fait. Euh, quelle transition. Euh, surtout que les apps mobiles, c'est imminent. Euh... On expliquer ce qu'on qu va faire avec les apps mobiles. Qu'est-ce qu'on fait avec les apps mobiles eh ben, Est-ce qu'on est qu est qu explique ou est-ce qu'on montre euh, c'est toujours la, la question, tu vois. Je peux peut-être. Ah, j'ai peut-être encore non, les bah J'ai mon, mon, mon visuel, mais. Euh, le... coup, je suis en live. Je l'ai en live, même si elle est pas. Euh, Ce pas la toute dernière version que j'ai encore. Le principe, c'est que bah, sur mobile, on avait un souci depuis le début c'est que c'est pas fait pour être utilisé. Euh, Windows est pas fait pour être utilisé sur un mobile. On n'a pas envie de cliquer avec son doigt euh, sur un, un bureau Windows, aller sélectionner son icône, la lancer, etc. Euh, on a toujours voulu avoir une interface euh, simple et, euh, et facile à utiliser pour accéder directement à ces jeux et pour pouvoir euh, profiter de son ordinateur de manière la plus simple possible sur un mobile. Donc, on a fait euh, une nouvelle appli mobile. Là, c'est la version iOS que j'ai où il y a un jeu. Moi, j'ai qu'un jeu wow. installé, c'est League of Legends. Je joue un peu trop à League of Legends. Euh, et on peut donc directement lancer son jeu. Euh, on peut euh, en final profiter de n'importe quelle expérience de jeu. Quelle que soit la plateforme maintenant, enfin, alors qu'avant, pour lancer un jeu sur mobile, eh ben, il fallait euh, aller cliquer au hasard euh, au milieu du truc, avoir un truc qui marche. Bah, disons pas, disons que Windows n'est pas adapté pour un tactile sur téléphone. Voilà. <laughs> Finalement. Euh... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le menu PlayStation 5, on va dire, enfin PlayStation 4, tu sais, où tu appuies sur le bouton, ça lance le jeu directement, c'est dans la liste des jeux qui sont proposés Alors, il y a plus d'options que ça, on est d'accord, mais pour, pour que les gens puissent visualiser l'idée. Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un menu très simple. Pour, ça, euh, pour lancer un jeu c'est un... limite voilà, c'est un menu console mais avec les jeux qui sont installés sur votre Windows et surtout l'avantage c'est que c'est toujours vos jeux euh, mm. donc vous pouvez installer n'importe quoi euh, et, et profiter des jeux sans, sans limite mm. sans aucun alors, souci alors évidemment euh, ça supportera la plupart des plateformes de gaming ouais euh, ça, ça supporte globalement aujourd'hui on supporte euh, Steam Steam GOG YouPlay Origin euh, depuis très peu de temps, euh, les jeux Windows, euh, donc Microsoft Store, Xbox, Epic, Epic, euh, League of Legends, euh, et tous les autres jeux de Riot Il y en a quand même beaucoup avec les autres jeux de Riot oui, oui, oui. qui arrivent. J'en ai un, je peux ouais. essayer. je <laughs> euh, ouais, ouais, ouais. leur dis pas c'est ça, J'ai juste envie de le savoir. Battlenet, euh, qui est reconnu également. Rockstar, je ne suis pas sûr. Très bonne question. Mais bon, globalement, si le s'il si n'est pas supporté aujourd'hui, il sera supporté euh, demain. Ça, voilà. et Sans ben... rire, on fait un travail pour aller le plus vite possible là-dessus. Et Monsieur Petit Papa, les jeux qui ne passent pas par aucun service, alors celle-là où évidemment ça devient un peu plus complexe, c'est que si c'est un truc où tu peux déjà justement sur un seul site, alors on, donnera, on donnera la capacité de les ajouter. Voilà. Euh, et euh, de toute façon. On se bat comme des fous pour que tous les jeux soient reconnus. Ah. Mais évidemment, en fait, en gros, en fait, comme d'habitude, en fait, comme, comme tout ce qu'on dev, en fait, on fait le, le, ouais. le, le, la globalité du global, si je puis dire ça comme ça. super. Euh, bien. Et ensuite, les cas plus spécifiques. T'as euh, vu ça un peu. Oui. Voilà. Donc on pourrait les ajouter, puis aussi, enfin, non, ça va se développer à mesure. Mais pour l'instant, ce sera les basiques, quoi. Ouais. Euh, et du coup, il y a deux grosses nouveautés qui vont arriver sur l'appli même par rapport au bêta actuel que vous voyez. Il y d'abord, il y aura le retour de quelque chose qu'on attendait tous sur les mobiles parce que c'était très utile et qu'on avait sur les anciennes versions. C'est des raccourcis qui permettent d'appeler de, des raccourcis Windows en fait standard, je si typiquement je fais un Alt Tab pour passer d'un jeu à un autre. Euh, encore, c'est un mauvais exemple parce que je peux le faire avec le menu. Euh, si je veux faire euh, Alt F4 pour fermer mon jeu, si je veux faire pour X ou Y raison que j'ai besoin d'appeler une commande Windows, Ctrl Alt Sup, parce que Windows, c'est pas toujours très stable, euh, voilà, ben on va pouvoir le faire et il y aura beaucoup plus de raccourcis qu'avant. Ce sera mieux géré, ce sera plus facile à utiliser. Et donc, ça, ça arrive dans les semaines qui viennent, euh, d'abord sur Android ensuite sur iOS. Euh, un autre, Banano qui est un truc intéressant. Vous pouvez ajouter des jeux non Steam sur Steam pour qu'ils soient dans votre bibliothèque et donc l'application Shadow pour information. Comme ça vous êtes tranquille. Mmh. Ah, je ne savais pas. Mais c'est un bon tip, ce Banano, au passage. Exactement. C'est grave cool. Ça. Il y a aussi euh, sur les applis mobiles. Il y aura aussi des accès directs aux applications Steam, Origin, euh, etc. Pour accéder au launcher en fait. Si vous voulez euh, typiquement lancer Steam Big Picture euh, plutôt que de choisir vos jeux sur le, la liste Shadow, vous pouvez passer par le le style Picture euh, Une app sur ce style euh, sur Windows Est-ce que, est qu est que, est que pour l'instant c'est mobile euh, laisser, euh, laisser La police euh, faire son travail. Ouais, Croyez bien ça, que. Ça. que nous, non, non, oui. non, évidemment on y pense. évidemment euh, enfin, on a... Pour les, les, les frileux de Windows comme moi par exemple, c'est quand, quand même génial. Quoi, on l'a déjà dit, je pense qu'en en, en interne on a déjà des prototypes qui tournent là-dessus. Euh, ça va arriver très vite. Pour le coup, euh, là on, on a besoin de, de timer aussi les sorties, de ne pas tout vous sortir en même temps. Euh, on a attendu la fin de l'année, euh, on a laissé passer le, les, les fêtes pour sortir des mises à jour. Là, vous allez voir qu'on euh, on va pas trop rigoler sur le rythme. Oui, on va charbonner. <laughs> Genre, ça, va, euh... ça va accélérer pas mal. Bon, encore une euh... fois, on, voilà, on, a corrigé, on a corrigé quasiment tous les bugs du, euh, du truc en 24 heures, hein. un peu ouais. plus. Ah non, mais c'est des machines là. Ah non, mais là, 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 là ils sont, on, ils on, sont partis. Les, on ne les arrête plus. <laughs> euh, parmi les choses qui sont aussi très utiles sur le, la version mobile, euh, il y a la gestion des contrôleurs virtuels. Donc, c'est-à-dire qu'on peut appeler euh, euh, des, euh, des boutons virtuels pour pouvoir jouer un jeu qui a besoin d'une manette, par exemple. Euh, sur son smartphone. Il y a beaucoup de compatibilité sur Android notamment. Euh, les devs ont beaucoup travaillé pour que ce soit compatible avec les claviers, les souris, etc. Pour pouvoir en fait avoir une vraie expérience, euh, même si on branche son téléphone Android sur, une, sur un, un écran externe. Ça c'est super euh, parce qu'au final, vous avez... c'est un peu pour nous le, le, la vision du futur de l'informatique, c'est de dire voilà j'ai mon smartphone euh, quel que soit l'écran euh, avec lequel je veux l'utiliser, bah, je peux utiliser mon Shadow et je peux utiliser euh, ma machine partout euh, depuis mon smartphone. Ça fait partie des trucs très très cool. Et alors, Ça il me fait, semble que la date, si je dis pas de bêtises, on a une date, normalement. Date, les choses qu'on adore en plus, parce qu'on mm -hmm. est vraiment très très bon en date chez Shadow. C'est un peu notre point fort. Voilà. Je suis euh... sûr qu'on n'y arrivera pas la tenir. Hein. D'accord. Oui, mais on peut quand même non, le non, dire. Non, je rigole. <laughs> euh, on est un peu plus loin que d'habitude, je crois. Mais euh, oui, on, on a prévu la date le 15 non, janvier. Je te laisse le dire. Voilà. Ah, alors, 15 janvier, c'est pour l'app Android et iOS en même temps. Est-ce qu'il y aura un décalage entre les deux Est-ce que c'est un peu la folie folie je pense que c'est les deux en même temps, mais on va d'abord être certain qu'on aura Android. Non, parce que apple c'est vrai, ouais, c'est toujours un peu plus. Euh... Voilà. Ça, ça peut être un peu plus rocambolesque, on va dire. Euh, apple, c'est ce que la fin, tu voilà. dis. Euh... Bah, c'est vrai. Oui, alors tout à fait, il y aura des. Y on... Par contre, on a des bêtas dans tous les sens déjà. Il y a déjà des bêtas sur iOS, sur tvOS, etc. Euh, les mises à jour se font régulièrement, à part que le dev iOS est parti euh, misérablement en vacances, qui devrait être interdit. Évidemment. Ce monstre. Euh, C'est <laughs> inadmissible. Il a, il a pris des jours <laughs> de congé. Euh, il est reparti dans le sud avec son bel accent du sud. Et il a bien raison. Euh, Est-ce qu'on a autre chose sur la mobile ou pas euh, bien, Je ouais. crois que j'ai déjà pas mal raconté de choses. Okay. Euh, non, le, moi, l'un des trucs qui m'excite particulièrement sur ces, sur ces manettes. Euh, sur enfin, sur l'app mobile et les, les manettes, c'est qu'en fait, on va euh, essayer au maximum à l'avenir de vous donner le pouvoir sur les contrôleurs virtuels, que vous puissiez créer des contrôleurs virtuels. Euh, ah oui, ça, euh, déjà vu ça aussi. Et cool, que, ça. Ce soit, que ce soit un peu un projet communautaire d'avoir tous les contrôleurs virtuels qui vous plaisent. Euh, L'exemple qu'on donnait euh, un petit peu, nous, en interne, quand on faisait des démos, c'est de dire euh, typiquement, vous voulez jouer à Cuphead. Euh, Cuphead, on avait fait un contrôleur virtuel où le jeu tire automatiquement. Et en fait, il y a qu'une touche pour sauter. Que, ce qui est bien qu'un jeu comme Cuphead euh, Donc on, a, on se retrouve avec le, les déplacements de son personnage, une touche pour sauter et le perso qui tire tout le temps. Et euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de... Avec la communauté, main dans la main, d'essayer de créer des contrôleurs qui sont... Euh, qui sont euh, adaptés à vos jeux euh, pour que vous ne soyez pas en train de souffrir parce que c'est un jeu sur un écran euh, mobile. Et surtout que ça vous la place à plein de possibilités parce qu'on pourrait faire un top des meilleurs contrôleurs, voilà, on voit plein de choses parce que c'est pas mal aussi de vous donner un peu le pouvoir parce que vous avez quand même plein de bonnes idées. Et puis de euh, on doit tout à notre communauté. Oui, non, en plus, c'est du bien, le genre de truc qu'il faut ouvrir aux gens parce qu'ils vont avoir des meilleures idées que toi. Voilà. Même si c'est toujours terrible à se rendre compte de ça, mais c'est vrai. Mmh. Euh... Ça parle de plein de trucs euh, pas mal. Ok, bon. Maintenant, on va enchaîner sur le dernier. Euh, c'est du shit, non Non, non. Bah, Attends, bon. tu veux que je réponde un peu sur les questions ou pas euh... Comment fait-on on... sur macOS pour la peu, oui, touche contrôle ctrl Je préfère qu'on garde Alt, euh, backspace. Enfin, pour, pour effacer. Euh, 3 millisecondes de latence sur Shadow, c'est normal. 3 millisecondes, c'est incroyablement bon. Euh, double screen pour la transition. Alors, c'est une question assez importante. Double screen, extra screen, etc. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a fait cette. Euh, cette fonctionnalité de support avancé des écrans, appelée aussi Display Management, c'est parce qu'on voulait gérer correctement un écran. Donc évidemment, une fois qu'on gère correctement un écran, il est beaucoup plus facile d'en gérer deux. Waouh <laughs> On a fait énormément de tests sur le, la dernière année, euh, sur, euh, en alpha notamment, sur le fait d'avoir du double écran, de, de, de l'extra screen comme on l'appelle. Euh, et on s'est rendu compte tout de suite que c'était extrêmement désagréable à utiliser parce que bah, il fallait mettre à jour sa résolution à chaque fois qu'on faisait un truc, à chaque fois qu'on lançait euh, l'extra screen sur un device, il fallait reconfigurer le tout. Si on a fait cette fonctionnalité, c'est aussi pour ça, donc c'est un prérequis. Et euh, croyez bien que dès que nous aurons de plus, plus fait, en plus d'informations, tout ce qu'on fait, enfin tout ce qu'on fait, c'est l'avantage, c'est qu'on fait des trucs qui vont nous servir pour d'autres trucs. C'est un peu comme quand on a refait la, la, la le, le client unifié finalement. C'est vrai. Plus en fait, ce sera pareil partout et on pourra tout sera plus adaptable en même temps sur la même base. Euh, ça permettra, par exemple, c'est pas le ouais. seul truc, mais ça permettra de faire un, un extra screen beaucoup plus euh, serein, pratique voilà. et stable finalement. Et je quoi. vois avec marqué avec deux ghosts en alpha, et on peut utiliser le double screen Oui. Avec deux ghosts en alpha, tu peux utiliser ce qu'on appelle l'extra screen et utiliser deux, deux machines différentes. Euh, et donc, c'est très très bien. Le double screen était prévu depuis la première version du site. Pourquoi l'avoir mis sur le site au départ et si deux ans après, il ne fonctionne pas bah, C'était une erreur de jeunesse. Mais tout simplement, comme toutes les entreprises voilà. du monde, on a cru qu'on arriverait à faire quelque chose assez facilement. On s'est rendu compte aussi assez rapidement que bah, c'était pas que dépendant de notre volonté. On a, eu des... on a rencontré des soucis avec les gestions des drivers, etc. chez côté Nvidia, côté AMD, etc. sur le, le boîtier. Et donc, on l'a retiré relativement vite hein, du, mmh. du site à l'époque. Euh, on aurait bien aimé le sortir tout de suite. Et aujourd'hui, on arrive à, à maîtriser la tech et on est très très près de. C'est ça, entre le shadow qu'il y avait avant et en fait le, là le, le côté foufou, mais aussi ouais. avec un manque de, de, de connaissances. Et de, et, de, et, de, et de réalité j'ai envie de dire par de vous voyez la différence maintenant quand on annonce un truc en général bam bam ça se fait tout ce qui est dev de du on produit est capable, hein. on est capable aujourd'hui de dire voilà. si c'est réaliste ou non mmh. euh, là on vous donne pas je vous non. dis pas ça va sortir demain l'extra screen ce que je vous dis c'est mmh. que maintenant qu'on a fait ça c'est ça c'est d'un côté dev en fait euh, tout le travail qu'a fait Yanis les devs et le produit on est quand même c'est beaucoup voilà quand on annonce quelque chose en termes de développement mmh. genre là on travaille là dessus ça sort aux alentours de cette date là voilà on est quand même beaucoup plus. Euh, et coup, maintenant. Euh, bah pour clôture, à quand l'extra screen en bêta bah, L'extra screen, on le mettra en bêta quand euh, on aura euh, fini toutes les features qu'on a annoncées déjà sur la roadmap. Ce qu'on vient d'annoncer, que ce sera en prod voilà, finalement. ce qui était sur peu. la roadmap. Et de dire, voilà, euh, au moment où on sortira l'extra screen, il y aura l'extra screen en bêta il n'y aura que lui. Et euh, on le fera avancer. Euh, Petit à petit, euh, jusqu'à la version jusqu euh, officielle. Et maintenant, nous allons, passer, nous allons parler, de, avant de prendre vos questions euh, et, euh, et de, finir de conclure les news aujourd'hui, nous allons parler de Battle for Hardware, donc euh, les tests, en gros, voilà, les tests des offres ultra infinite, euh, ultra-infinites principalement. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe Alors, vous le saviez, peut-être pas, euh, il y avait plus de 1000 personnes qui s'étaient inscrites euh, à Battle for Hardware. Donc, à savoir, hein, euh, au test. Aujourd'hui, là, actuellement, là, maintenant, il y a 450 testeurs. Nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons passer ce nombre à 600 personnes. Il n'y aura plus 450 testeurs, il y en aura 600. Euh, Qu'est-ce qui commence à se passer eh bien, là, voilà, il y a un email qui est parti à 17h. Donc, il y a des gens qui vont le recevoir maintenant ou qui vont le recevoir un peu plus tard. Mais là, à 17h, euh, pour la personne qui était déjà inscrite, vous allez recevoir un email qui vous dit, voilà, et hey, bam, euh, venez, c'est cool, euh, c'est ouvert, vous pouvez venir, c'est sympa. Euh, vous n'avez pas pu, Alors, on parle des gens qui sont inscrits au tout début de Battle for Hardware, hein on les... donc ces fameux 1000 personnes. Mmh. Si vous ne vous êtes pas inscrit à cette époque-là, là uniquement aujourd'hui, et je crois que ça se finit bah, à 19h, j'ai un petit lien. Alors ça, veut... ça vous met sur une nouvelle waiting list. Ça va mais Ça ne veut, pas... veut pas dire que vous allez pouvoir faire le test, hein je vous préviens. Hop là, ça veut dire que vous avez une poste. En gros, il nous reste, euh, je pas de bêtises, il nous reste euh, quelques dizaines de places en fait. Ah, Alpha, il l'a pas ce lien là. Eh bah ben non, celui-là, il ne celui l'a pas. <laughs> Qu'est-ce que tu vas faire, Elfa Voilà, hop. Donc je vous le balance. Voilà, donc il, y a, il nous reste une, voilà, quelques dizaines, il me semble. Je n'ai pas le chiffre exact. Euh... Il a écrit une ronde directe. <laughs> donc voilà, il y a une chance qu'avec ce lien là, vous puissiez euh, Vous puissiez participer au test. Voilà. Ça veut pas dire que là. Voilà, vous cliquez, vous remplissez, c'est pas une obligation que vous pillez. Donc, toutes les questions que vous avez à vous par rapport à ça. Alors, je vois qu'est-ce que c'est Battle for Hours, c'est les tests. En fait, voilà, on teste les nouvelles offres, à savoir ouais. principalement l'offre euh, Ultra et Ultra Infinite. Ouais. Alors, quand est-ce que c'est la fin des premiers tests Donc, voilà, là, les gens, les 450 personnes qui sont en train de tester, quand est-ce que leur test à eux s'arrête Le lundi 20, normalement. Des dates Waouh wow. Encore, mais ouais. tellement de dates aujourd'hui. Voilà. Oh. Donc, voilà, si vous êtes en train de tester Shadow, sachez-le, là, euh, vous êtes sur. Alors, je ne suis plus sur quoi on est, je crois que c'est sur Ultra, peut-être, je ne sais plus. Bref, le test s'arrête le 20. Mmh. Euh, le nouveau test, quand est-ce qu'il démarrera Quasiment le même jour, là, il y aura quelques jours de latence. Parce en fait, on ne va pas faire tout d'un coup hein, pour ne pas tout casser. Voilà, euh, c'est quasiment là, le lundi 20, on arrête la première, la première vague. La deuxième vague se lance à partir de ce moment-là. L'autre grande question, c'est est-ce que les 600 personnes, c'est 450 testeurs plus 150 nouveaux testeurs non, 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 oui, non. Jamais. mais non, mesdames et messieurs. Là, c'est 600 nouveaux testeurs. Et c'est ça qui est chouette. En gros, il y a quasiment toutes les personnes qui se sont inscrites sur la première vague euh, qui pourront euh, finalement. Profitez euh, profiter du test. Du donc, test. Euh, si vous étiez inscrit sur la première waiting list, eh bien, euh, sachez-le, il y a de très très fortes chances. Alors, sauf petit parce bah, que du il y a parce que voilà. Normalement, tout le monde y aura accès. C'est grave mmh. cool. Euh, combien de temps va durer ce nouveau test Ce nouveau test va durer trois semaines. Il y aura donc deux semaines. Les deux premières semaines seront sur l'offre ultra, et la dernière semaine sera sur l'offre infinite. Voilà, voilà. Voilà, on est, oui, voilà. En ce moment, ils sont en train de tester infinite. Voilà. C'est beau. C'est beau. Et eh ben non, je pense qu'on peut, on peut passer aux questions, finalement. On peut passer aux questions. Ah, et enfin, n'hésite pas à remettre le lien que j'ai mis hein, pour, le, si euh, veux, ouais. pour le pour le test. Hop Voilà, voilà. Donc, on va passer à vos questions. Et si tu as une question, tu n'hésites pas, Yanis. De toute façon, tu sais comment ça marche depuis le temps. Eh hein. bien, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir du multiscreen avec, par exemple, un ordi et un téléphone Tout à fait. C'est le principe de l'extra-screen. Pas du multiscreen aujourd'hui, comme on l'appelle. En alpha, euh, on fait exprès de ne pas le pousser plus loin, parce que, comme je le disais, il y a plein de choses à régler avant. Et, euh, et quand on le sortira, on le sortira très très bien. Ah oui, Vincent m'a précisé, hein, si, vous êtes, si vous faites partie des 450 personnes qui sont en test là actuellement, et que vous essayez, euh, comme des petits finaux, de vous réinscrire, on va le voir. <laughs> Je vous le dis, voilà. C'est bien, <laughs> Non, parce que bon. Hein. Comment, tu, comment tu veux qu'on s'en rende compte Je vois pas. Ah, tu sais, le petit truc qu'on appelle adresse email. Mm. Une <laughs> en <X>. général. <laughs> euh, alors, les versions, la VR, etc. Euh, je ne peux pas changer trop de discours. Il hein. y a des équipes qui travaillent dessus. Euh, on a vu que Half-Life, Alix arrivait. Voilà. Je ne peux pas dire euh, deux choses en plus. Alors pourquoi le Stream Deck, bah tiens, on en parlait tout à l'heure, tiens, euh, ne fonctionne pas sur la Ghost, même avec un hub USB 3.0 alimenté euh, J'ai besoin de savoir si c'est normal ou pas. Alors oui, ça ne marche pas en ce moment sur ouais, la Ghost. fois que ça ne marchait pas et, euh, euh, et il faut qu'on s'en occupe. Oui, en occupe. Et, en fait, et en fait, la réponse, c'est que euh, en fait, c'est une, une urgence pas urgente. Dans le sens où il y, y a peu de gens qui ont un Stream Deck, tout à fait. mais il euh, n'y a pas 50 trucs qui peuvent remplacer un Stream Deck à part un Stream Deck. Ouais. Donc euh, voilà, y -Yanis, Yannis le sait et Yannis a très envie de se pencher dessus. Mais en fait, en fait, vu le nombre de choses qu'on sort pour tout le monde et ce genre de trucs qui sont plus spécifiques, mmh. euh, je sais, et vous allez me dire, ça fait longtemps que tu dis ça, Victor. Oui, parce qu'en même temps, quand tu vois, tout ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Mmh. Le trimdex, c'est pour un cas beaucoup plus euh, précis. Voilà, exactement. Mais je vous assure, moi, moi, moi j'aimerais bien aussi que ça soit supporté. Les nouvelles euh... confections pour quand les premières livraisons C'est quand C'est quand C'est quand C'est quand C'est quand C'est quand Et eh bien, Victor, est-ce que tu peux nous donner exactement la date que tu as Non. Alors, euh, très simplement, euh, on n'a aucune information de supplémentaire à vous donner. Euh, voilà c'est pas, pas nous qui gérons c'est pas nous qui gérons ça mais genre pas du tout quoi c'est euh... le, le 9 janvier et euh, voilà. ce que je peux vous dire c'est que ce, on n'est pas en février déjà voilà là, déjà voilà, nous, voilà. moi je suis revenu de vacances il n'y a pas si longtemps que ça euh, on n'a pas les news là-dessus je, je sais que je sais que vous avez très envie de savoir <laughs> euh, on en sait autant que vous pour le moment oui. donc euh, je sais et je sais que ça vous frustre je comprends tout à fait mais euh, malheureusement on n'a rien à vous dire là les loups euh, Beta Oculus Quest. Ah attends, oui. A, attends, il y a le duel v sur Box V1. Ça en est où Bah ceux qui suivent un petit peu, il y a une, une petite vidéo en interne qui a été faite par Mou. Merci Mou. Euh, chez nous, qui oh, a ça. réussi à faire un, à faire tourner le, le duel sur la Box V1. Euh, mais c'est exactement comme je le disais sur l'extra screen, on ne fera pas les choses euh, salement. donc. Euh, Dès que ça va sortir un peu partout, ça fera partie des, des choses qu'on sortira. Euh, mais oui, mes vacances, c'était très bien. Euh, J'ai vu ma famille à Noël pour, pour la première fois en 4 ans. Euh, parce que en général... Le... Mais non, c'est finalement juste que euh, ma femme, parce que je, je suis marié, vous le savez, ma femme euh, travaille souvent le week-end. la on a pu descendre dans le sud. Et on était en Lozère euh, Et c'était grave chouette. J'étais quoi Le kombucha. Euh, donc, que Oculus Quest, t'as des news toi, ou pas du tout euh, bah, ce que parce je que, que, que j'en je parle, j'en parle, j'en parle. Il y, a des, il y a une équipe qui travaille dessus, donc euh, non, je n'ai pas de news particulière à vous partager. On sait qu'ils travaillent dessus. Tout à fait. Voilà. Euh, les nouvelles configs, voilà, on, on ne sait pas pour les configs, donc euh, vous, vous poser L'overlay Xbox Game Bar deviendra-t-il compatible Shadow Alors, il euh, n'y a pas de raison que l'overlay Xbox Game Bar ne fonctionne pas sur Shadow. La seule différence, c'est les raccourcis. Euh, il faut juste que vous régliez un raccourci qui n'est pas utilisé par un autre raccourci. Normalement, ça fonctionne très bien. Alors t'as as, as, as des news sur tout ce qui est tablette graphique Parce que je sais qu'il qu y, y a certaines tablettes graphiques qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. On ne s'est jamais trop, trop penché sur le sujet, c'est vrai Non, c'est toujours pareil, il faut avoir, les, il faut avoir les, tout le matos pour tester. Et pour le coup, il y en a aussi, en a aussi un nombre assez oui. conséquent de, de, de tablettes graphiques. Euh, on se penchera peut-être dessus un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est pareil. C'est bah, que c'est Vu qu'encore une fois, alors je sais, il y a, il y a des gens qui utilisent pour le plaisir je la tablette sais, graphique, je vas, sais tu, bien. Tu vas te répéter mon avis. Oui, mais c'est bien de le répéter malgré oui. tout. Voilà, c'est que ça ne fait pas, c'est pas 90% des cas qui ont une tablette graphique malheureusement. Mais là, il y en a qui fonctionnent. Ouais. Mais on, voilà. Je précise juste un truc euh, par rapport à la résolution et je vois là, il y a des questions de notamment uh, faux mass Pourquoi ma a La résolution native a changé. Euh, simplement, euh, le, si la résolution actuelle n'est pas bien reconnue, il faut, bien nous, il faut nous le remonter. Pas hésiter à le dire au Modo sur Discord, etc. Le... Ça n'empêche pas que vous pouvez changer votre résolution avec le... la mise à jour et qu'en en fait, à chaque fois que vous allez vous reconnecter à cet appareil, il reprendra la bonne résolution. Donc, même si la résolution native qui est affichée n'est pas bonne. Vous pouvez mettre la résolution que vous voulez et, euh, et ça, 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 ça suivra. Shadow relance le recrutement quand j'ai vu qu'un chien avait été recruté lors de la soirée. Alors que la soirée avait été annulée. Il y a du favori Je trouve. Alors euh, Nechi est notre nouvelle mascotte et star du marketing, donc un peu ouais. de respect. Euh, sur, et, sur Instagram, euh, son compte. Voilà. Et donc pour l'instant, euh, bah pour l'instant non, euh, je, je suis pas au courant. je, je ne sais pas. Euh, mais on l'en fera sans doute, je, je pense qu'on l'en fera dans pas trop ans parce qu'on a, on, je on a été un de temps. J'ai précommandé l'offre ultra pour avril, mais exemple sur Premiere Pro, si je laisse tourner un rendu d'une vidéo 4K, donc très long, est-ce que mon Shadow va s'éteindre et donc foirer mon export ou pas du tout Effectivement, il y a un timer pour éteindre les Shadows s'ils si, si ne servent à rien, sauf si tu es encore en train de t'en servir. Euh, une Shadow n'est pas une, euh, Le un, service pro, si un service professionnel, si c'était un service professionnel, ce serait un prix d'une offre professionnelle, comme toutes les offres professionnelles, donc ce serait plus cher. Ah. Et euh, voilà, ben on aimerait bien vous faire un, un service professionnel. Pour le moment, c'est pas encore euh... d'actualité. L'extra screen avec la V1 et la Ghost possible, tout à fait. Je le fais tous les jours chez moi et je peux vous dire que ça marche super bien. Les manettes Xbox ne fonctionneront pas en USB sur Mac. Ouais, attends, attends juste, ah, oui, non, pour préciser, quand on parle de timer, en fait, hein, ouais. parce que là, je, je, c'est ce qui m'amène à la fois. J'aurais dit ça, ils ont paniqué. Euh, en termes de timer. Si vous ne touchez à rien hein, pendant 1h30, euh, je ne sais plus combien de temps ça dure, le timer, ouais. là, voilà, euh, ça s'éteint. Si, euh, si, si vous touchez à votre clavier ou à votre souris, ça ne va, ça va pas s'éteindre en plein jeu. Exactement. Ah, non, parce que je, je connais le. Hein, quand j'avais dit ça, ouais. les gens font genre Ah !» Non, non, vous inquiétez pas. <laughs> J'ai vu, vu une remarque sur la Manette Xbox qui ne fonctionnera pas en USB sur Mac. Alors, il faut savoir que d'abord, de base, la Manette Xbox ne fonctionne pas en USB sur Mac. Euh, à la, la base. base hein. on shadow, shadow, pas Shadow. Hein. On pas Shadow, Shadow, pas Shadow, pareil. Euh, par contre, il y a un driver qui existe. Euh, donc là, vous pouvez installer un driver sur votre ordinateur local, donc votre Mac. Euh, et ce sera hyper clair sur le Help Center, on vous expliquera exactement comment le faire. Mais il n'y a aucune raison de ne pas le faire en Bluetooth, parce que c'est des manettes qui supportent le Bluetooth et qui fonctionnent super bien en Bluetooth. Non, on ne peut pas régler le timer pour l'instant. Euh, on, 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 pas, pas, pas pour l'instant, en fait on ne pourra jamais régler le timer. Surtout depuis même. Catalina. C'est ça, euh, il faut un timer de toute manière. Euh, Pourriez-vous s'il vous, si vous plaît communiquer sur les problèmes suite à la mise à jour si vous Alors on a déjà communiqué dessus, mais on peut le répéter. Il n'y a ouais, pas tout de souci. À fait, les, les... Donc euh, quelles sont les problématiques qu'on a pour l'instant majeures C'est euh, des problèmes d'écran noir. Ouais, euh... MD qui est déjà réglé en bêta. Il laisse pas terminer. Voilà. Donc on a les problèmes d'écran noir, les problèmes de, problèmes de audio qu'on a parfois. Euh, ces problèmes-là ont été identifiés. Les... Le patch est aujourd'hui en bêta. Normalement, euh, sauf euh, contradiction, euh, le patch passera en officiel mmh. demain. Tout à fait. Voilà. Et, euh, et, on, et on a d'autres problèmes de ce style-là ou euh... ouais, ah oui le truc qui euh, en boucle aussi, il me semble. Ça, c'est le, le problème d'updateur, de, de mais je, je pense qu'il y en a très très peu aujourd'hui. Voilà, je joue le euh, micro Il y Il y a des soucis liés à la Ghost, comme j'ai expliqué tout à l'heure. La mise à jour n'est pas encore sortie sur Ghost, elle sort demain. Euh, donc, c'est pour ça que vous pouvez avoir des résolutions un peu bizarres sur Ghost. Euh, et le, il y a des soucis de son, mais qui généralement sont réglés juste au premier démarrage. Euh, qui est un souci qui existait déjà avant, euh, juste sur le, sur le premier démarrage. Euh, j'ai senti un peu de mauvaise foi là. Un timer de 1h30, ça n'a rien à voir avec des usages pro. On peut juste regarder un film de 2h. Euh, alors. Il y a eu un timer d'une heure trente. Le timer a été rallongé. Je ne dirais pas sa durée. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que vous, vous pouvez regarder un film de deux heures et que c'est ce de la mauvaise foi de dire ça. Donc je ne suis pas d'accord. Euh... Euh, Shadow peut gérer des appareils en réseau, type euh, caisse, imprimante, etc. Avec une ghost, tout à fait. Il y a le, la fonction de réseau local. Sur le le LAN over IP, comme on l'appelle. Ah, c'est une très bonne question, ça. Mais je ne sais pas si on l'a encore, vu que c'est en bêta. Mais encore euh... une fois, on n'est pas sur un usage professionnel. Donc faire une caisse. <laughs> Avec son shadow, ça me paraît pas tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut savoir sur les apps mobiles une information sur la consommation des données utilisées, voire même pouvoir baisser la qualité pour moins consommer C'est vrai qu'on l'a jamais fait. Eh bien, J'en parlais avec l'équipe Data encore il y a deux oui. jours. C'est euh, une très bonne idée. Ce qu'on va ça, faire, c'est qu'on va vraisemblablement vous donner deux choses. Euh, dans un premier temps, je pense, on aura la une capacité de vous indiquer la consommation par heure euh, moyenne. Quand vous choisirez votre bande passante, c'est-à-dire que si typiquement vous mettez 5 mégas, bah il vous dira ça consomme au maximum deux gigas. Par heure. Euh, le chiffre que je donne est totalement au hasard, mais il doit pas être très très loin de la réalité. Euh, en en l'occurrence, on fera ça et en plus on vous ajoutera, un, je pense, un compteur pour vous dire exactement quand vous avez, combien vous avez consommé ce mois-ci euh, et combien vous êtes en train de consommer, etc. On préfère du binage avec les prochains shadows Non, jamais. <laughs> mais bien sûr, bien évidemment. Non. Essaye, essaye <laughs> hein. <laughs> C'est dans les <rire> <rire> euh... T as t as ah, ouais on a un spammer. Là, ouais, ouais. Ah. On a deux spammers. Oui. D'accord. C'est intéressant. Voilà. Regarde enfin. comme il est rapide. Oh, là là, oh, là oh là là Moi, là cette là. machine. Mais quel talent. <laughs> Quand le clavier sur iOS permettra-t-il de jouer Si on appuie sur Z pour faire avancer son perso. Alors, je sais que ça parlait de clavier sur iOS encore cet après-midi au bureau. Comme la a... souris aussi. Quoi, on m'a expliqué qu'il y avait un petit tuyau à faire c'est qu'il faut ouvrir un champ de texte pour appeler le clavier une fois pour que ça fonctionne après malheureusement ce n'est pas nous qui contrôlons cette chose là j'étais j'avais la question du euh, oui euh, la souris sur iOS quand est-ce que ça marchera bien euh, et alors de, je sais pas encore une fois le Vous développeur allez poser la question non, mais, à Apple encore une fois là voilà, le développeur euh, iOS est en vacances pour une réponse exacte exacte exact, 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 exact ouais. mais j'en ai parlé à six ouais. euh, et à je sais plus qui d'autre mais en gros c'est c'est supporté et on, on la supporte aussi mais c'est juste qu'elle est pas euh, elle est pas vraiment pensée pour le gaming en fait mmh. sur iOS la souris ouais. et ça c'est pas de notre côté c'est du côté Apple ouais. Donc Apple, si vous, si vous pouviez, si je, je dis ça comme ça, hein. mais voilà, c'est un problème qui malheureusement euh, n'est oui. pas, pas de notre, de notre ressort, hein. comme souvent quand on parle de, de, de Apple sur certains éléments. Je pense notamment au bouton R3, hein, aussi, tu te souviens à l'époque Oui, ça s'est voilà. depuis. Parce que, non, mais oui, mais oui, n'hésitez oui. pas à aller voir les lives de Tim Cook tous les vendredis, <laughs> d'aller leur parler sur Twitch. <rire> <rire> Euh, la sortie du support des manettes, c'est pour quand J'étais pas là au début. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas dit quand est-ce qu'on le sortait exactement non plus, tu me diras. Euh... Quand est-ce que c'est en bêta, finalement ben, euh, donc, En gros, euh, après-demain, je pense, un truc comme ça. Enfin, ça va aller très très vite. Ouais. Là, le, on fixe, on finit de fixer le, 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 la, la, la mise à jour qu'on vient de sortir. D'ici 7 jours, on va dire. Quoi. Voilà. voilà. Dans Et par contre, comme je le disais, elle n'est pas, pas complète encore. Il y a encore un problème avec ah, la C'est pour ça qu'elle est en bêta. Exactement. Donc oui, on va dire d'ici 7 jours, normalement, euh, ça devrait être en bêta. Euh, les manettes. Il euh, y a un dev iOS de chez Apple dans le chat. On peut demander si vous êtes là. Euh, <laughs> je suis totalement conquis par Shadow, j'encourage tout le monde à le prendre. Merci beaucoup, euh, Prime, Prime euh, D -D, Ou Did, je ne sais pas comment on le dit. Upgrade de carte graphique en 2020. Oula, malheureux, c'est déjà très bien ce qu'on a pour l'instant. Euh, pour oui. l'instant, il n'y a aucune raison qu'on change. Euh, je vois marquer un partage de fichiers entre Shadow et notre PC basique. Euh, Faisant des musiques sur Shadow, c'est relou de passer par Discord pour récupérer des musiques sur mon PC normal. Euh, je t'invite à utiliser ce que maintenant on ne va pas redévelopper nous-mêmes, euh, des trucs comme OneDrive, euh, Dropbox, etc., qui en fait te synchronisent un dossier. C'est mille fois plus efficace que ce qu'on pourrait développer nous, parce que c'est leur spécialité. Et donc, euh, n'hésite. Pourquoi pas à répéter un comme que centre. ce n'est pas pour un usage pro alors qu'on vient d'avoir un sondage dans ce sens ben, Parce qu'on vous pose la question. Oui, et puis, et puis au-delà de ça, c'est euh, de évident, mais ce n'est pas un sondage qui va dire ce que, que, comment, comment, comment qu'on fait. Après, Le sondage, il peut aussi nous aider à faire une offre pro après. Par exemple, voilà. Mais soit disons que là, quoi qu'il se passe, Shadow tel que c'est, euh, ce n'est pas euh, pensé pour une offre pro. Et en fait, même au-delà de ça, mmh. on n'a pas euh, les, euh, les requirements pour une offre pro. Voilà. Euh, Martine de la Conta n'a pas besoin d'une RTX 2080. Ah bon par exemple, finalement. Peut-être que. <laughs> euh, je vois une question intéressante aussi sur le. Alors, donc, des services comme le PS Now pourront marcher du coup avec la manette PS4. Alors, oui, on fera marcher le PS Now avec une manette PS4, mais j'ajoute euh, quelques précisions. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité technique de faire fonctionner le touchpad entièrement sur la PS4. On ne peut pas euh, le, le faire reconnaître comme un touchpad d'un bout à l'autre. On pourra vraisemblablement avoir le bouton, c'est-à-dire qu'on pourra appuyer sur le touchpad et faire les actions qui demandent l'appui sur le touchpad. Mais euh, on ne pourra pas transmettre totalement l'information. Après, est-ce que c'est très intéressant d'utiliser Shadow pour utiliser le PS Now C'est un autre débat. C'est-à-dire qu'utiliser un service de streaming pour utiliser un service de streaming, c'est un peu spécial. Alors, vos vidéos sur YouTube parlent l'usage pro. Alors déjà, une vidéo, où on donne un exemple euh, de l'usage pro. Mais le fait est que là, on parlait. On parlait... Pour être clair sur ce sujet-là, parce que je vois qu'il revient de temps en temps. Euh, dans la vidéo qu'on a, euh, Erwan, il est devant son ordinateur, il tue son ordinateur euh, pour faire du montage. Mais Erwan ne laisse pas son shadow tourner euh, toute la nuit pour faire le temps. En fait, de 8h à 18h, ou de 8h à 21h, bref, enfin, son temps de travail, euh, il va s'en servir pour faire du montage. Mais il restera devant, puis sur les petites touches. Euh, il ne va pas laisser le truc tourner pendant 5h euh, pour faire un rendu, parce que le rendu il fera sur le PC physique, ou genre de choses. Voilà. Donc ça ne fonctionne pas, euh, il s'en sert comme du pro, certes, euh, parce que dans cet usage-là bah, il fait bien ce qu'il veut, le petit Erwan, mais il n'y aura pas un rendu de 4 heures qui va tourner tout seul dans son coin. Euh, C'est très différent d'un usage pro, 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 pro. Euh, Vous pensez bien que par exemple, tout ce qu'il qu fait en motion, par exemple Air one, il le fait euh, sur le fixe, par exemple, mmh. parce qu'autant rendre les vidéos YouTube qu'on fait, bah, ça prend pas très longtemps, autant faire les rendus qui prennent parfois 4, 5, 6 heures Erwan, il va les faire sur, euh, sur son fixe, par exemple. Euh, je réponds rapidement à une question sur la latence avec ou sans ghost c'est la même, euh, c'est quoi l'équivalent d'une RTX 2080 Alors le, la latence avec ou sans ghost c'est la même, bah, ça dépend de ton réseau, euh, après on, ce qui est sûr c'est que la ghost on a optimisé le, le hardware pour gérer complètement la chose, donc si t'as un PC où il y a plein de saloperies d'installer, bah t'auras plus de latence que si tu utilises une ghost, mais euh, en soi normalement ça devrait être à peu près pareil si t'as pas un PC trop, trop en mauvais état, euh, et l'équivalent d'une RTX 2080, il bah, n'y a pas d'équivalent d'une RTX 2080, je vois pas vraiment la question. Euh... Euh, est-ce que bientôt est-ce que bientôt on mettre à jour la roadmap Shadow euh, Oui, mais euh, pas bientôt bientôt dans quelques semaines parce que les devs ont du travail. Mais euh, tout à fait, on va euh, changer un peu le fonctionnement parce que on, comme on s'était amusé à mettre des dates, mais on sait que c'était pour la blague, mais c'était pas non plus très 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 bien. Est-ce que tu sais que Betelgeuse à la base, c'est le mec qui a posé la question, c'était le nom euh, premier nom de Betelgeuse? Oh, c'est très intéressant, voilà, sache-le. Euh, on, fera, on fera certainement un truc plus simple, un peu comme le fait euh, Epic sur, euh, sur l'Epic Game Store, où on, on mettra euh, 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 ce qui est prévu, ce qu'on est en train de faire et ce qui, va sortir, ce qui vient de sortir. Euh, euh... J'ai raté, raté une question. In... Ah ouais, de oui, Est-ce une application à télécharger dans le store des consoles de jeux pour accéder Non, pour le moment, on ne peut ce pas. Que faire je vais dire, dire, ce console. que voulais dire, c'est la question sur les consoles. Ouais. Est-ce que Shadow un jour sera sur les consoles Peut-être. Est-ce euh, que demain vous l'aurez sur votre Xbox Techniquement, pourrait... techniquement, ça marcherait. Ouais, mais de toute façon, on va pas se rusher sur, pour le faire sur des, oui. des vieilles consoles. Comme déjà. La PlayStation 4 et la Xbox One, <laughs> alors qu'elles sont changées l'année prochaine. Une sorte d'obsolescence programmée. Les et non, et, les... et, enfin, et au-delà de ça, en fait, ça demande aussi des discussions et des partenariats euh, qui sont avec. Ma je suis pas objectif qu'on a déjà de une non. pour commencer. Ça marche déjà quand même sur euh, choses. Voilà, et euh, si un jour on le fera, bah, on, voilà, on, bah, on vous le dira et on bossera dessus. Mais c'est pas, euh, c'est pas, voilà, pas le euh, prix. Euh, je vois les questions sur l'application Android. Oui, la nouvelle application Android, la sortie Android et Android TV. Il y a eu une question aussi sur les raccourcis, donc euh, envoyer du contrôle Al etc. sur, euh, sur l'application Android. Oui, on est en train de les mettre et ça va sortir euh, le 15 janvier, on l'a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Tino, qui nous dit, bientôt deux ans que je suis abonné à Shadow, c'est juste incroyable les progrès que vous avez fait. Bravo à vous, quand comme ça, c'est vraiment énorme. Merci à toi, Ça fait toujours plaisir à lire. Euh... Shadow sur Super NES, non, mais sur Game Boy peut-être. À partir d'avril, plus de précommandes pré et livrés à court terme. Euh, oula, je, moi je me pronostiquerai rien du tout sur les dates, j'aime pas trop les dates. L'IPv6 et Shadow Avance sur mobile, je sais que le, la nouvelle version de l'appli mobile sera compatible IPv6. Je sais pas si ça fonctionnera complètement dès le début, mais en tout cas, on y travaille activement. Euh, non, au ce n'est pas prévu. On commence à tourner un chouïa en rond au niveau des. Euh, ouais, la gosse qui plante à cause de la chaleur. Une solution de GG Ça, ça m'est jamais arrivé. Je me sers de la gousse tous les jours. Euh, si elle est vraiment pourrie, ne pas hésiter à la faire remplacer. Oui, parce que là, c'est elle, elle est même. En fait, le truc où c'est qu'elle est même pas censée chauffer en fait ouais, du ça, tout. la ghost. Il y a des différences entre la Shadowbox noire et la Ghost non. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, mon, mon cher, attends, juste pour terminer sur ce, ce charmi parce que si elle chauffe ta Ghost, c'est qu'il y a un problème avec ta Ghost. Donc, je t'invite à là, dans ce cas de figure précis, contacter le support pour voilà. Est, elle n'est pas censée chauffer en fait, euh, quasiment pas en fait. Non mais elle chauffe un tout petit peu, on est d'accord, mais il ouais. euh, y a une entre euh, elle marche pas parce qu'elle est parce qu'elle est brûlante et euh, voilà. Ils ont posé trop de questions à la fois, je me suis perdu là. Alors, euh, <laughs> data center pollue la planète. Vous allez en faire quoi des anciennes cartes, des cartes GPU et CPU à la sortie des, nouvelles, des nouveaux setups Alors en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand on est dans un data center, je me, suis, je me suis un peu renseigné. Euh, imaginez, voilà, on décide, imaginons c'est un cas de figure, 1, euh, hein, on change nos cartes graphiques. Qu'est-ce qu'on fait de ces cartes graphiques-là Alors on n'a pas le droit juste de les balancer dans la nature comme des connards, euh, parce que c'est tout simplement illégal dans une structure professionnelle comme un data center. On a plusieurs cas de figure qui peuvent arriver. La première, c'est qu'on peut aussi les stocker en attendant de, en attendant de savoir quoi on va en faire. On a la possibilité de les revendre. Euh, on pourrait aussi, par exemple, je, encore une fois, je, je sais quelle disposition, on pourrait faire une offre plus basse avec des, euh, des vieux composants, par exemple, et une offre moins chère, par exemple. Mmh. On pourrait aussi décider de les recycler. Alors, on que c'est un grand mot, mais en fait dans un data Center, en fait on va faire passer par une entreprise qui va traiter les graphiques, démonter les composants qui peuvent être récupérés ou réutilisés. Euh, recycler euh, au maximum les, ce qui peut être recyclé et le reste après voilà sera euh, sera sera euh, bah, donc mis à la poubelle mais dans un truc spécifique quoi. Est ce qui est un peu plus facile à faire que quand on est tout seul avec son PC tout seul non parce qu'on vous connaît hein. moi j'en suis pour PC à 100% vous êtes peut-être trois dans le monde il faut que tout le monde le fasse et j'en suis bien je suis bien d'accord avec vous mais euh, après il y, y a le grand débat on va pas le refaire ici de, de data center enfin shadow plus écologique que euh, avoir son PC à la maison mm. euh, mais le fait est que, voilà en tout cas il y a un traitement qui est fait à 100% euh, et au maximum et puis bon, c'est aussi Facile de s'en servir pour d'autres choses. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo sur le data center qu'on a fait d'ailleurs euh, qui euh, parle de cette problématique en toute transparence, en toute honnêteté et on aborde le sujet à fond. Euh, je reviens juste sur les histoires de chauffe de la Ghost. La, le device, enfin la, la, la Ghost chauffe un peu, ça c'est sûr. Euh, on peut la toucher et trouver que c'est un peu chaud, mais de là à ce qu'elle s'éteigne le... toute seule parce que la, la trop chaude, ça c'est pas la même chose. Oui, non plus. Voilà. Parce que, évidemment, y a pas, de... c'est un refroidissement passif comme on appelle ça, il n'y a pas de ventilateur, mm. ce qui est très agréable parce que du coup ça fait pas un bruit. Euh, et ça consomme très peu. mais ça consomme très très peu accéder à Shadow via un browser web euh... je, je, moins, ce sera de les performances qui seront moins bonnes il y aura plus de latence non, puis, non, mais euh... techniquement c'est possible mais les performances seront pas bonnes enfin, le, le web n'est pas prêt on finalement est-ce que le web est prêt finalement euh... je pense euh... que le web n'est pas prêt pour nous voilà. on, est voilà. trop, on est trop important non, mais, voilà, je, bah, par exemple, Google avait fait le test avec mm. euh, Assassin's Creed C'est euh, un jeu solo à 30 FPS mm. euh, ouais. dans un cas de figure extraordinaire vous remarquez qu'ils n'ont pas fait 50 jeux ouais. c'est pas pour rien euh, donc pour l'instant non mm. Le 5.1, je vois, on, ça arrivera. On essaie de faire l'ordre qu'on avait prévu sur la roadmap, on est en retard, mais on va, on va y arriver. L'écologie euh, m'est égale. Waouh, super <laughs> Bouh Est-ce possible de forcer la consommation électrique sur une électricité non, non verte, non verte, verte. Ah, Est-ce que c'est possible de forcer la consommation oui, électrique bien, sur une... je... Je... Il faut vraiment qu'on fasse notre truc avec Greta Thunberg. J'ai pas, com... avec... pas compris la question. Qu'est-ce qu'il entend par forcer la. Je, je comprends pas. J'ai pas compris. La shadowbox noire classique, oui, c'est souvent ce qu'on appelle la shadowbox v tout à fait. Je pense qu'on un peu... On peut droit. rentrer dans la team alpha comment Alors il faut aller sur Discord, il faut le demander à... à... Rien, à qui faut le demander déjà J'oublie. Bah, pour l'alpha. Alpha, hein. On peut demander à Alpha, oui. Euh, et en fait, on vous expliquera ce que ça suppose d'entrer en alpha, à savoir que ça peut créer quelques problèmes, parce que c'est une alpha. Ah, c'est pas stable, c'est ça qui est bien. Ah oui, c'est pas du tout stable. C'est une aventure. Mais on a aussi besoin, on, a, on a aussi besoin techniquement en alpha. Euh, bravo à l'équipe pour le Battle for Overwatch, La nouvelle config tourne nickel, c'est un système Sans FPS, c'est agréable. Merci beaucoup DG Max. Euh, allez, on prend une dernière question, on va terminer parce qu'il est déjà 18h50. Je te laisse à la choisir, euh, mon cher Yanis. Mmh. Vous avez un adaptateur DisplayPort HDMI à conseiller pour la Shadow Ghost Mais la Shadow Ghost elle est en HDMI. Non, parce qu'il y a certains adaptateurs qui fonctionnent, mais on HDMI. Ça marche fait... pas dans l'autre sens. On ne peut pas faire HDMI vers DisplayPort, ça n'existe pas. Ah, si, mais c'est très cher. Ouais, non, mais si, c'est ça. C'est un, ampli, si. a, là, un ampli, quoi. Mais c'est ça en fait, et ça coûte. Euh, mmh. voilà. Parce, qu en fait, un... parce qu'en qu fait, oui, qu en fait, on en avait trouvé un. Ça change le signal. Oui, parce qu'en fait, on trouvé un qui marchait, qui, mmh. en... qui... qui ensuite n'a plus été construit. Enfin, c'était un long truc avec, 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 avec William et euh, la pioche à l'époque. Euh, en attendant qu'il n'est plus fabriqué, et en fait, voilà, du coup, il y a des solutions, mais qui coûtent 400 euros. <laughs> il y a un moment, où il vaut mieux un écran. Oui, <laughs> ou le mettre sur sa télé. Quoi. Voilà. Euh... Bonjour Shadow, le support est indisponible si si, toujours là, le, oui, si, si, le, le oui. est là. Encore une fois, parfois il y a aussi des tickets qui restent ouverts parce qu'ils ont euh, déjà parce qu'ils doivent en traiter, mais là ça aussi parce qu'ils euh, n'ont pas répondu tout de suite s'il n'y a pas la problématique qui est terminée. Ça, ça peut arriver. Évidemment. Et on les embrasse très fort parce qu'avec toutes les mises à jour qu'on fait, bah, ils ont pas mal de travail. Oui. Et, et, euh, et ils sont très très bons. Le taux de le taux le taux le coût de taux compte. En gros, voilà, c'est des champions. Ils sont trop forts. On vous embrasse au support euh, partout. D'ailleurs, au passage, sachez qu'on a beaucoup moins de, 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 de tickets sur les, les nos utilisateurs et c'est très cool, ça montre que les gens se rendent compte que Shadow, ça marche plus qu'avant. Euh, et c'est toujours très bon à savoir parce que les gens sont très heureux de découvrir Shadow. Voilà. Euh... On héberge quelqu'un euh, je des ne sais pas. Non, attends, maigre. non, alors non. Je prends une dernière question qui est importante. à quand un numéro de téléphone pour contacter le support Jamais, parce que imaginez que. Euh, on, non, non. C'est une perte de temps. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, en gros, quand tu, qu en fait, en gros, pour la faire courte, quand t'es free et que t'as le premier truc, c'est genre bonjour, ça marche, votre machin truc. Ils ont, ils ont des euh, des teams monstrueuses qui coûtent des millions et des millions et des millions d'euros. Euh, nous les problèmes sont beaucoup, beaucoup plus spécifiques en général euh, et en fait c'est pas pertinent parce qu'en fait les lignes seraient saturées en 4 secondes mmh. ce qui générait encore plus de frustration là le système de ticket l'avantage eh ben, euh, et surtout en fait, on s'est rendu compte avec l'expérience qu'avoir une trace écrite euh, pour régler un problème est beaucoup plus efficace beau, parce que le problème c'est pas débranche ta gauche, et rebrancher ta ce que tu peux faire avec un support de niveau 1 euh, chez Free n'importe quoi donc non c'est pas prévu voilà euh, donc euh, des gros bisous des bisous. Euh, on se dit à la prochaine. Euh, et, et, et voilà, hein euh, bisous, bye. Ciao, ciao. Ciao.